jours heureux. Écoutez donc notre histoire. Que vous la croyez ou pas. À la lisière de la sombre forêt de Tikatikata se dresse, énorme et imposant, l'orphelinat. Aux jours heureux! Cet orphelinat n'a rien d'un lieu de bonheur. C'est une demeure obscure et lugubre. Où sont recueillis plus de 1900 enfants. Cet orphelinat est en réalité une prison où les enfants sont maltraités. Et réduits à la condition d'esclaves. Ils sont obligés de travailler dans des mines secrètes dont l'accès se trouve juste en dessous de la bâtisse. Parmi tous ces enfants, il y en a un qui se distingue tout particulièrement, Haydn. Bien que petit, pour ses 11 ans, Haydn est très malin et plutôt costaud. Il préfère cependant rester seul à rêver. Dans la solitude, il prépare son évasion. Haydn s'est inventé un refrain qui lui redonne de la force. Si t'es orphelin, reste malin! Un jour se produisit une catastrophe. Une vingtaine d'orphelins disparurent dans un éboulement. Haydn se décide. Trop, c'est trop. Il doit s'enfuir. Il va s'enfuir, et ce sera pour le soir même. À la tombée de la nuit, alors que tous sont endormis, il se faufile à l'extérieur. Il avance doucement en prenant bien soin de rester dans l'obscurité. Maintenant, il est assez près pour entendre la conversation. Nous en avons perdu 20 aujourd'hui. Qu'en penses-tu nous en ramener de nouveau? Ne t'en fais pas, j'ai déjà repéré un nouveau village où les enfants sont jeunes et bien portants. Ils seront parfaits pour travailler dans tes mines. Ah, ah, ah! Et tu pourras me payer grassement pour cette nouvelle série d'enlèvements. Enlever? Je ne suis pas un orphelin. J'ai des parents qui s'inquiètent et qui attendent mon retour. Haydn sort prudemment la tête pour voir l'inconnu. Un troll! C'est un troll avec qui la directrice a passé un pacte. Haydn sort aussi vite qu'il peut vers la clôture. Il se glisse par un trou et ça y est, il est dehors. Youpi! Enfin dehors! Brusquement, le sol se met à trembler. Comme sous le poids de quelque chose de très pesant. Soudain, il se retrouve nez à nez avec le troll. Le troll l'attrape, le jette dans un sac et repart vers sa cabane avec le tout sur l'épaule. En se réveillant, Haydn s'aperçoit qu'il est chez le troll. À l'odeur, aucun doute possible. C'est vrai. Attaché à des anneaux tout rouillés, il ne peut plus bouger. Autour de lui, personne. Ah non, ça bouge là-bas. Où ça? Dans un coin. Il n'en croit pas ses yeux. C'est une jeune fille petite et maigre, aux cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux couleur noisette. Et tu n'as rien à craindre de moi. Je suis restée cachée dans la forêt pour libérer les enfants. Vite, fuyons avant que le troll ne revienne et ne nous fasse disparaître. En sortant, Ariana voit apparaître sur une table un livre qui brille. Regarde, c'est une liste. Ce sont les noms et les adresses de tous les enfants de l'orphelinat aux jours heureux. Mais parmi eux, ils découvrent le nom de Haydn et l'adresse de ses parents. Mais aucune de ceux des parents d'Ariana. Ils sortent de l'antre du troll. Mais ce dernier est déjà de retour. Et stupeur, il les voit. Les deux enfants, effrayés, cherchent à fuir. Mais le troll déjà les attaque. Mmh.
agir aussi sur Ariana. Les deux enfants se précipitent et arrachent vivement la branche d'un arbre pour se défendre. Celle-ci se transforme en épée de diamant. La seule capable de trancher du troll. Le troll est alors désintégré. Ariana guide Hayden à la sortie de la forêt et s'arrête tout net. Suis ce chemin et tu seras très vite à la ville. Mais que se passe-t-il? Je suis très attachée à cette forêt. Je suis vraiment une orpheline. Je n'ai nulle part où aller. Et si tu venais avec moi? Tu seras bien chez nous. Elle hésite. Mais convaincue par Hayden, elle accepte de le suivre. Arrivé à la ville, il ne tarde pas à retrouver la maison des parents de Hayden, qui en le voyant, le reconnaissent immédiatement. Ils l'ont tellement cherché. Convaincu qu'un jour, ils le retrouveraient, ils n'ont jamais cru ceux qui lui disaient qu'il était perdu. Les retrouvailles sont heureuses. Ah oui. Hayden leur raconte toute l'histoire. L'orphelinat, le travail dans les mines, son escapade, sa rencontre avec Ariana, enfin tout! Les parents préviennent alors la police qui fait fermer immédiatement l'orphelinat et enferme la directrice. Aujourd'hui, on est sûr que tous les enfants ont retrouvé leurs parents et vice-versa. Et voilà une histoire qui, que vous la croyez ou pas, se termine bien. Thank you.
Bella et le poison de Zizani. Il était une fois, dans la terre des Sphinx, un royaume où régnait... la Zizani! Le roi Édouard et la reine Aurore y avaient une fille, la magnifique Bella. Dès qu'il cherchait à faire quelque chose, quoi que ce fût, la Zizani s'imposait, s'enflammait, les enflammait, prenait tellement d'envergure qu'elle les empêchait tout simplement de vivre. C'était un vrai poison. Un jour, la reine se trouva tellement prise de Zizani qu'elle ne put se lever. Le roi et la princesse Bella s'inquiétèrent. Désespéré, le roi appela Balthazar, le guide. Et il parut. Et il leur dit. Empoisonnée par la Zizani, la reine est mourir. Elle va. La princesse, entendant cela, alla s'enfermer pour pleurer toutes les larmes de son corps. Le guide Balthazar alla lui trouver et doucement lui expliqua. Un antidote à la Zizani, il existe. Un coffre ouvrir tu dois, mais avant, dans le futur, la clé trouver il te faut. Fais vite. Dans 2 heures, ta mère morte sera. 2 heures? Le futur? Mais comment? Une ouverture dans un miroir tu trouveras, dit Balthazar, et il disparut. Avec effort, Bella se concentra sur les dernières paroles du guide et courut dans toutes les pièces du château où il y avait un miroir, mais... Rien. À ce moment précis, un gigantesque miroir apparut. Waouh ! Elle s'approcha doucement jusqu'à toucher la glace de sa main. Puis sa main passa au travers. Elle avança encore et bientôt, tout son corps fut de l'autre côté. Bella était dans le futur et elle découvrit un homme qui semblait l'attendre en souriant. Qui êtes-vous? Le conducteur, bien sûr, et je vais t'accompagner dans le futur. C'est un monde de bonbons et de gélatine. C'est donc ça le futur? Devant elle s'étalait un paysage éblouissant. Des arbres sucettes, des rivières en chocolat, des chemins de sucre glace. Ils arrivèrent bien vite aux portes d'un magnifique château. Celles-ci s'ouvrirent. Et ils virent apparaître un petit personnage qui leur dit « Je suis le roi de ce royaume. Je suis le maître des clés. Vous êtes les bienvenus. » Puis-je avoir ta clé? Ah, tu veux ma clé? Passe l'épreuve et montre-t'en digne. » Et puisque tu es si pressé... commençons dès maintenant. L'épreuve est une course de cochons réglissés. Et tous se dirigèrent vers le circuit. Celui-ci comportait des obstacles en canne à sucre et des fossés remplis de chocolat fondu. Qu'on lui amène son cochon réglisse, dit le maître des clés. Et le cochon en question fut amené. Il avait pas l'air bien vaillant comme cochon. Il avait même plutôt l'air épuisé. En fait, c'est à peine s'il tenait debout. C'est vrai. Commence-toi pour... Prépare-toi. Prépare-toi pour la course, ça commence tout de suite. Là, le conducteur intervint. Il glissa rapidement sa main dans sa sacoche et en tira un petit biscuit qu'il donna à Bella en lui disant... Tiens, donne ceci à ton cochon, ça lui donnera de l'énergie. Ce que Bella s'empressa de faire. Le départ fut donné. Et comme l'avait annoncé le conducteur, le cochon de Bella fonça tel une fusée, sautant tous les obstacles et fossés. Elle gagna
la cour sans trop de difficultés. Elle s'approcha du maître des clés en lui lançant... C'est bon, cette fois, on a fini? Oui, oui, tu as réussi l'épreuve. Voici la clé que tant tu désires. Prends-la, elle est à toi. Seulement, ton chemin ne s'arrête pas ici. Il te reste temps à comprendre. Bella s'inclina en signe de remerciement envers le maître des clés et partit. Le conducteur amena Bella jusqu'au miroir d'où elle était venue. De retour dans le présent, Bella eut l'intuition qu'elle devait rentrer au château. En arrivant devant le château, elle vit un tunnel. Elle y entra. Le tunnel devenait de plus en plus petit. Elle dut se baisser. Puis se mettre à quatre pattes. Et puis finalement ramper. Soudain, le tunnel s'arrêta. Seul, un petit trou laissait passer de la lumière. Bella se mit à gratter la terre et réussit à élargir le trou. Petit à petit, jusqu'au moment où la terre trembla et céda. Ah ! Passant de l'autre côté, elle découvrit une petite salle où se trouvait un coffre. Le coffre ! Toute tremblante, Bella sortit la clé et finit par la tourner dans la serrure. Et le coffre s'ouvrit. Elle contenait une fiole sur laquelle était inscrit... Pour maman. Elle l'a pris avec soin et Blam s'évanouit d'émotion. Elle se réveilla doucement. Avait-elle rêvé son voyage? Était-ce bien la réalité? Elle se leva la tête lourde et vit le visage de Balthazar dont le regard triste annonçait une mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Ma mère, l'antidote, vite! Balthazar dit alors... Princesse Bella, votre mère morte est... Votre père... Il s'interrompit dans un sanglot. Quoi, mon père? Quoi, mon père? Balthazar lui répondit ainsi... Zizanie! Seul toi, aider, tu peux... À cette question, réponds si veux, ton chemin vain n'aura été, et un royaume sera sauvé. Mon premier, l'alphabet ouvre, mon second, une note de musique sonne. Mon troisième, l'éditeur débute. Mon quatrième, c'est semblable en amolie. Mon tout est plus riche que... Oh, plus que l'or enrichi. Qui suis-je? L'amitié! De cette histoire, point de fin. Réalisez votre dessin. Imaginez, vivez heureux. Si vous pouvez. Thank you.
La quête de la paix. Si votre cœur est engourdi, passez votre chemin. Seuls les cœurs vivants entendront l'histoire que je dois raconter. Son début remonte aux temps anciens, avant les mondes, à l'origine des univers, dans une galaxie lointaine. Cette galaxie possède trois astres qui ne tournent que sur eux-mêmes. Le paradis, la planète des glaces, le royaume des ténèbres. Chacun des royaumes ne reconnaît qu'un souverain absolu, doté de pouvoirs incommensurables. KDD, ou King des dieux, est le seigneur du paradis. Roi ailé, doté d'une harpe magique, il règne sur les commencements et les fins. Dieu à double visage, il peut seul, sans tourner la tête, voir ce que nul autre ne distingue. KDD veille. Sur la planète des glaces, règne en maîtresse absolue la reine des glaces. C'est moi! Femme d'une immense beauté. Elle est aussi belle que froide. Elle oblige ses sujets à être heureux, toujours et encore. Ah ouais, ici c'est le bonheur, vous allez tous être heureux. Oui, maîtresse. Au royaume des ténèbres, c'est Demon Drag qui domine. Un vrai diable parmi les diables. Demon Drag n'a qu'à paraître pour que domine la terreur. Voici bien longtemps qu'il n'a plus rien à faire ou à dire pour terroriser tous ses sujets. Mais derrière cette immense méchanceté, il y a la peur de perdre son pouvoir. Or, depuis quelque temps, la peur de ce dernier grandit tellement qu'elle en menace l'équilibre de la galaxie à l'insu de KDD. Un jour, Demon Drag décide de partir en quête de nouvelles terres à terroriser. Mmh. Préparant un plan maléfique, il parcourt l'immensité galactique jusqu'à en arriver au bout du bout. Mmh. Là, une planète méconnue. Et sur cette planète méconnue, une grotte. Et au fond de cette grotte, une salle. La salle la plus secrète de la galaxie où se trouve le légendaire... œuf en or. Il faut savoir que l'œuf en or donne à son possesseur le plus grand des pouvoirs. Le pouvoir absolu de régner en maître sur tout. Convaincu que personne ne pourra l'entendre, Demon Drag hurle sa joie et sa soif de pouvoir. Je vais régner sur la galaxie. Mais cette caverne creusée dans la terre est entièrement recouverte de glace. Et ce qu'ignore Demon Drag, c'est que la glace transmet toutes ses informations à la reine des glaces. C'est moi! Cette dernière, en entendant les paroles de Demon Drag, se dit qu'elle ferait bien mieux que lui. Elle pourrait faire régner le bonheur partout dans l'univers. La reine des glaces n'en écoute pas plus! Ah non! Elle part sur le champ, bien décidée à s'emparer de l'œuf, car elle sait très bien que si Demon Drag l'utilise, le chaos en découlera! Le chaos et la destruction totale des mondes par l'hégémonie du mal! Thank you.
ce temps, KDD observe la magnifique harmonie de sa galaxie. Ah. Il vole au-dessus des mondes, jouant de la harpe pour donner encore plus de beauté, à un monde déjà bien ordonné. Ah, il ne se doute pas que sa galaxie est en grand danger. Il entend un vacarme guerrier qui provient d'une grotte qu'il ne connaît pas. Il vole, mais trop tard, la reine des glaces... C'est moi ! Et des bonnes dragues se battent, et l'attrait du pouvoir les a rendus fous. Tous deux tendent la main vers l'œuf, se pétrifient brusquement et se tournent l'un vers l'autre. L'œuf est à moi ! La foudre éclate entre eux ! Puis tout s'apaise. Brutalement. Chacun des belligérants semble se réveiller d'un sommeil enchanté. Regarde sans rien comprendre, et puis doucement se tourne vers KDD qui pose sa harpe magique. Bienvenue, mes amis. Leur dit-il doucement. Il leur raconte la tentation qu'il a lui-même sentie, le rayonnement dangereux de l'œuf, et la solution qui s'est alors imposée à lui. Détruire l'œuf avant d'être corrompu. Le détruire avant qu'il ne les détruise tous. Il leur demande pardon car, l'œuf détruit, tous leurs pouvoirs ont disparu avec lui. Éberlué, choqué, la reine des glaces. C'est moi ! Et Demandrak se sentent d'abord en grand danger. Ils sont mis à nu, mais avec le temps, ils apprivoisent leur vraie nature et découvrent qu'ils sont plus riches de leurs différences, qu'ils ne l'ont jamais été avec ces fameux pouvoirs, et qu'une douce amitié vaut mieux que tous les empires. Une amie pour la vie. Il était une fois une nuit d'automne très mouvementée à cause d'une tempête. Cette tempête ne dévasta sur son passage que la maison de Charlie, une jeune fille de 11 ans. Fort heureusement, sa meilleure amie Charlotte vivait tout près et la famille de Charlie put se réfugier chez elle. Le chat de Charlotte, Caramel, était bien bizarre ce soir-là. Et Charlie ne voyait pas son amie. Mais oui, Charlotte, je vais la chercher.
Non ! S'exclamèrent alors les parents. Nous aviserons demain matin. Viens te coucher. Ok. Elles n'avaient jamais vu de parents aussi peu intéressés par l'absence de leur enfant. Charlie attendit que les parents s'endorment pour se mettre en quête de son amie. Quand elle entendit... Il faut retrouver Charlotte maintenant. Elle chercha autour d'elle qui pouvait avoir parlé. Caramel se frotta contre ses jambes et redit. Miaou. Il faut retrouver Charlotte maintenant. Tu parles? Bien sûr, comme tous les chats. Je parle la nuit à qui veut bien m'entendre. Ne perdons pas de temps. Charlotte s'est fait enlever par deux ogres. Regarde les pas sur le sol. Il nous faudra nous montrer d'une très grande prudence. Les ogres, s'ils sont trois quarts idiots, sont très forts. Et ils partirent vers la forêt. Caramel la guida et bientôt ils arrivèrent au pied d'un arbre démesuré, plus majestueux que tous les autres. Waouh ! Hé, trouve le moyen de monter jusqu'en haut pour voir si tu ne vois pas Charlotte. Dit Caramel. Charlie ne vit aucun moyen d'y grimper. Et découragée, elle se laissa glisser contre le tronc en s'asseyant sur la mousse à son pied. Je n'y arriverai jamais à temps. Puis, le vent se mit à souffler. Que cherches-tu, jeune fille? Charlie ne songeait plus à s'étonner et elle confia au vent son histoire. Une branche apparut sur le tronc à hauteur de marche. Elle y posa un pied et une deuxième branche apparut et une troisième et elle perça la canopée. Je vois une lueur mauvaise. Ce sont les hommes, j'en suis sûre. C'est par là. Charlie descendit alors de l'arbre et ils s'approchèrent jusqu'à distinguer un feu de camp énorme surmonté d'une broche. Deux ogres le surveillaient et ils se disputaient. Encore. Et ils hurlaient. Encore. Jusqu'au moment où ils disparurent chacun de leur côté dans la forêt. Charlie et Caramel aperçurent alors l'entrée d'une grotte. Ils y entrèrent et découvrirent environ 200 cellules. Dans chacune, au moins un cadavre. Ils s'approchèrent plus prudents que jamais. À la 51e cellule, ils aperçurent Charlotte. Nous venons te sauver, mais comment ouvrir ta cellule? Ce sont les ogres qui ont la clé. La voix des jeunes filles résonna dans la grotte et attira les ogres. Trop tard! Charlie fut soulevé de terre par l'ogresse. C'est alors que Caramel agit à son tour. Crachant, il sauta sur l'ogre qui hurla. Puis sur l'ogresse qui vociféra. Les ogres s'enfuirent dans un concert de braillements. Dans leur fuite, ils laissèrent tomber la clé. Charlie ouvrit la cellule. Charlotte, que s'est-il passé? Qui sont ces monstres? Charlotte se mit alors à raconter. Une malédiction pèse sur ma famille depuis qu'un de mes ancêtres s'est sauvé des ogres en promettant de leur offrir sa première née. Depuis, à chaque génération, l'aînée des filles, lorsqu'elle atteint 11 ans, est enlevée et dévorée par les ogres. La malédiction ne peut être rompue que par une jeune fille du même âge intrépide. Tu vois, c'est toi. À ce moment, Caramel pressa les filles. Vite, il faut fuir, venez, les vents nous indiquera le chemin du retour. Puis soudain, une voix. Que cherchez-vous, jeune fille? Ramenez-nous à la maison! Fermez les yeux et vous rentrerez chez vous. «
Le visage de la mère apparut. Bonjour les princesses. Vous avez bien dormi? Un petit déjeuner vous attend les marmottes et il fait grand soleil dehors. Allez, debout. Charlie se frotta les yeux. Où était-elle? Chez elle? Mais alors? Et Charlotte? Charlotte se frottait les yeux à côté d'elle et Caramel clignait les siens en regardant Charlie. Il semblait sourire. Et c'est ainsi que la malédiction fut levée. Que sont devenus les ogres? Nul ne le sait. Si la nuit, vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous ce qu'il en advint. Mais jusqu'où êtes-vous disposé à entendre? Allez, il est temps de reprendre votre vie paisible. Famille. Il était une fois un jeune couple qui avait eu des jumeaux. Harry et Wendy. Un mois après la naissance des enfants, les parents se séparèrent. Le père partit en Espagne avec Wendy. Tandis que la mère resta en France avec Harry. Le temps passa et la mère déménagea pour vivre à... Nulle part sur rien. Nulle part sur rien. Les enfants grandissaient chacun de leur côté. Enfin, grandir, ils étaient curieusement petits et très solitaires pour leur âge. Une bonne dizaine d'années plus tard, le père dut rentrer en France pour son travail. Et sans le savoir, il s'installa avec sa fille à... Nulle part sur rien. Nulle part sur rien. Et Wendy se retrouva dans la même école que Harry. Ces derniers devinrent très vite les meilleurs amis du monde. Ils étaient même les plus heureux du monde. Enfin quelqu'un qui les comprenait. Enfin quelqu'un qui leur ressemblait. Jamais ils ne se doutèrent qu'en réalité, ils étaient frères et sœurs, jumeaux même. Un jour de printemps, Harry invita Wendy dans la maison de sa grand-mère. La maison était vide depuis longtemps et ne servait plus que de débarras à la mère. Wendy, en jouant, se cogna contre un petit secrétaire qui s'ouvrit. Aïe! Elle vit alors une boîte étrange qu'elle s'empressa d'ouvrir. Dedans, une feuille pliée. Wendy resta là sans bouger, comme paralysée. Ce papier, Harry, c'est écrit là, nous sommes jumeaux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi ça! Nos parents nous ont menti depuis le début! Bientôt, la colère les submergea complètement. Comment leurs parents avaient-ils pu leur faire ça? Ils devaient se venger. Ils décidèrent donc de rentrer chacun chez soi et de laisser un mot à leurs parents pour leur donner rendez-vous dans la forêt. Retrouve-moi aux abords de la nuit, au carrefour des vérités. J'ai une belle surprise pour toi.
Chacun des parents se rendit donc à l'endroit indiqué, impatient de découvrir la fameuse surprise. Et les parents se retrouvèrent face à leurs enfants qui leur lancèrent avec violence. Et voilà, on a découvert qu'on était jumeaux. Et c'est pas grâce à vous, menteurs, parents indignes. Au-delà de la fureur, Harry attrapa la main de sa sœur et ils disparurent. Puis, les parents entendirent un rire. Mais un rire grotesque comme on n'en entend jamais. C'était une vieille qui semblait se rouler par terre en se tenant le ventre. Elle riait de plus en plus fort en se faisant péter le gosier. Les parents découvrirent une vieille verrue. Et sous la verrue, un nez crochu, des oreilles poilues, une tête. Ouh, quelle était laide cette tête. Bah, j'ai l'impression que ça va pas fort pour vous. Quelque chose me dit que vous avez peur de quelque chose. Moi, je peux vous dire comment rentrer chez vous et surtout comment retrouver l'amour de vos enfants. Moi, je vous dis que tout ça, ça a un prix. Il faut que vous me rapportiez un ingrédient pour ma crème de beauté. Me faut de la poussière de corne de licorne. Quand vous aurez ça, revenez me voir. À ces mots, les parents furent transportés ailleurs dans une clairière où paissait paisiblement une licorne. Paissait ? Broutait ! Dit la mère. T'en fais pas, dit le père. Toi, tu détournes son attention et moi, je l'attrape et après on lui arrache sa corne. Ça marche ? Proposa le père. Et tandis que la mère s'approchait de l'animal, le père en fit le tour. Et lorsqu'ils furent à bonne distance, ils lui sautèrent dessus. Et l'animal, d'un coup de hanche, les renvoya aussi sec à leur point de départ. Ils se retrouvèrent avec tant de bleu qu'ils ne purent plus bouger. Nos enfants ! Jamais nous les reverrons ! Oh ! De quoi vous parlez ? Les enfants expliquèrent alors à la licorne la vengeance qu'avaient pensé leurs enfants. Leur aventure avec la vieille verrue. Et l'ingrédient qu'ils devaient lui ramener. Pourquoi me capturer ? M'arracher ma corne ? Pourquoi ne vous m'avez pas parlé ? Tenez, prenez ceci et allez en paix. Et la licorne s'éloigna en laissant derrière elle une petite pochette brodée qui contenait de la poudre de sa corne. Heureux d'avoir récupéré la poudre de corne de licorne, les parents prirent une direction au hasard. Marchant, le cœur léger, ils n'aperçurent pas le trou. Et bam ! Ils tombèrent dedans. Et glissèrent. Jusqu'au moment où le trou s'arrêtant, ils se retrouvèrent dans la forêt face à... La vieille verrue. Où est ma poussière ? La voici ! S'empressa de dire le père. La vieille marmonna une formule magique. Tourne bichette avec cette crémette, redeviens jeunette. La vieille verrue se transforma et sous de beaux cheveux blancs apparut la grand-mère d'Harry et Wendy. Se voyant redevenue elle-même, elle poussa un cri de joie et courut embrasser sa fille. Tous les trois, bouleversés par leurs aventures, mais heureux de s'être retrouvés, s'en retournèrent chez la grand-mère. En arrivant, ils virent les enfants assis sur le banc, dans le jardin, devant la maison, toujours très en colère. Bonjour, mes petits. Je suis tellement heureuse de vous revoir enfin. Et oui, je suis votre grand-mère. Je sais que vous êtes furieux. Je connais bien ce sentiment. Il y a longtemps, quand j'ai appris que vous aviez été séparés, j'en ai terriblement voulu à vos parents et j'ai laissé la colère grandir. Et cette colère me transforma en vieille verrue. C'est le prix de la colère. Il faut savoir pardonner et trouver toujours le chemin de l'amour. À ces mots, Wendy et Harry fondirent en larmes. En se jetant dans les bras de leurs parents, ils crièrent « On vous aime !» Les enfants, enfin libérés de leur colère, se mirent à grandir. Et tous les cinq se réunirent alors autour d'une bonne tarte aux pommes.
Et voili, voilou. Ces contes étaient pour vous. Thank you.